Salut les gens. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite et que j'avais envie de vous montrer un peu comment se passent mes week-ends, même si des fois je mets pas trop de nouveautés sur Facebook ou sur le site. J'ai quand même des week-ends assez chargés. Et là aussi c'est exceptionnel parce que lundi, mardi, j'aurai une petite surprise pour vous, mais j'en vous en parle pas plus tout de suite. Là aujourd'hui on est samedi 25 juin, il est 8h52, je suis déjà à la bourre. J'ai sorti le chien vite fait parce qu'il y a une journée qui m'attend du boulot. Vous verrez ça dans la vidéo, hein. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai aujourd'hui comme chien. Demain matin je fais un chien agressif avec un collègue, ou plutôt une collègue du collectif Sindog. Vous verrez ça demain. Et après, après avoir fait le chien agressif, histoire de se mettre de bon pied de bon matin, on part direction le sud. Donc écoutez, vous allez voir tout ça, c'est parti. Et voilà, c'est parti, première évaluation de la journée. On va voir ce que ça donne pour ce chien. Savoir qu'est-ce que rencontrent comme problème ces gens-là. Alors, où ils sont? Ah, je les vois. Ils sont là-bas. En général, par contre, les vidéos, cette vidéo-là, principalement, ça va pas être. Je vais pas vous présenter chaque chien, etc. Je ferai des vidéos indépendantes. Je vous montre juste un peu l'ambiance de mes week-ends. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ça y est, ils sont là. Ok. Bon, joli staff, regardez. Bon, c'est parti pour la deuxième évaluation de la journée. Un boxer, vous la voyez là-bas? Je vais m'approcher. Elle a l'air bien agitée. C'est bon, elle mord la laisse de son maître. Alors c'est mignon, hein. Mais c'est pas toujours super. On continue. Là on a vu la petite chienne qui avait 15 mois, qui était un petit peu excitée. Bon, on a réussi à faire ce qu'il fallait pour les évaluations. Vous la verrez plus tard dans les vidéos pour les cours de dressage. Troisième évaluation de la journée. Petit chien qui est excité aussi un petit peu. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bonjour. Eh oui, après les évals, petit cours collectif, la journée n'est pas finie. Dernier petit cours avec un nouveau chien dont j'ai fait l'évaluation cette semaine, un petit boxer. Voilà, on va finir, ce sera son premier cours. Voilà. Bon, ça y est, la journée est finie, il est 19h, donc maintenant que j'ai fini la journée, on recommence, on rebalade la choupette, petite balade au parc, histoire de se détendre un petit peu. Allez, à la suite demain matin, petite surprise, et puis voilà, hein, c'est que le début. Allez, à demain. Salut à tous, on est dimanche matin, il y a un chien qui vient nous voir. Alors, c'est soi-disant un chien agressif. Tout à l'heure, le propriétaire est venu chercher une muselière parce qu'il a chargé, lui et son collègue. Donc, apparemment, il est assez chaud. Il y a quelqu'un qui est venu me donner un petit coup de main pour faire le chien.
Ségolène de ses Simdog 2. Et puis après, on vous fera une petite surprise après, après avoir fait le chien. On vous donnera notre ressenti et on vous annoncera un petit truc. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on vient de finir l'évaluation du chien agressif. C'était un canet corso croisé staff, bringé. Bon, il était chaud un peu, hein. Il était un petit peu chaud. Mais Ségo, elle lui a fait un bisou sur la tête à la fin. Donc c'est notre cher Simdog qui va être content, parce que c'est le fameux rituel du collectif. Donc ce chien-là, c'était pour... Simdog avait lancé la prévention chien mordeur. Donc c'était une prise en charge, gratuite. Et puis voilà, et puis bon, bah écoutez, là, le programme il continue. La petite surprise, c'est qu'avec Ségo, bah là on descend dans le sud, on va voir Simdog. Et ensuite, on part à Monaco. Allez, ciao les gens! Centre Simdog. Là, on se prépare. Là, on est en train de préparer les voitures. On va faire un petit tournage et on vous réserve plein de petites surprises pour cet après-midi ce soir. On va où, Gégé ? À Monaco. Allez, c'est parti. Journée à Monaco, bah écoutez, ça s'est bien passé. On a fait un petit peu de tournage aujourd'hui, on a bien rigolé avec l'équipe de Simdog. Les chiens ils sont un peu fatigués, hein. Vous le voyez là, lui il est bien. Je sais pas si on va en tirer quelque chose ce soir. Donc voilà, bah je vous dis soit plus tard, soit demain, ça dépend du programme. Allez, ciao. Thank you.
resto avec le chien et toute l'équipe. Salut la compagnie, on vient d'arriver à Nice. On va faire quoi à Nice, Jérôme ? On va rencontrer du monde. On va aller voir des gens qui veulent nous rencontrer aussi. Bah là on est à Nice, on s'est arrêté de faire une petite pause pour manger. On passe l'après-midi pour le voyage. Allez, à bientôt. Salut la compagnie. Bon bah écoutez, les 4 jours sont finis, on est mercredi, il est bientôt midi. Là, ce matin, on profitait d'être un peu au calme, débriefer un peu sur ces 4 jours, sur le tournage de Monaco. Là, on a aujourd'hui, normalement, Simdog ne travaille pas, mais il y a un fan qui est venu le voir, qui le suit sur internet, et voilà, donc il discute avec lui. Et ouais, c'est ça quand on est une star. Hein. Donc voilà, moi je rentre dans l'après-midi, donc à partir de demain, on reprend l'éducation classique, les rendez-vous. Voilà, petit cours collectif ce week-end. Et après, c'est les vacances. Allez, ciao!